On me demande souvent si je fais la gueule, même quand je la fais pas. J'ai une gueule qui fait la gueule. Alors je la fais avec les lunettes ou sans les lunettes. Les voitures attendent. Mon premier disque, il est sorti, je devais avoir 23 ans. Quelques essentiels, c'est mon 25e album. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de souffle sur les bandes. Quand on enregistrait avec des grosses bandes studio comme ça, dès qu'on faisait du silence, ça faisait le silence digital est merveilleux. Au début, le disque il s'appelait Les Essentiels. Puis en fait, je me suis dit non, c'est pas très juste. C'est quelques essentiels, il y en a d'autres qui peuvent être considérés comme encore plus essentiels. J'ai pensé le disque comme un concert. C'est aussi bien jouer des chansons que les gens connaissent que des chansons nouvelles. J'ai été rechercher des morceaux que j'avais pas joués depuis des années. La suprême dimension. Il y a certains arrangements qui vieillissent, c'est comme la forme. Il faut faire avec, hein. Mais le fond reste, en fait. Et dans certaines de ces chansons, j'avais envie de mettre en avant ce qu'elles voulaient dire. Confiné dans sa bulle, les uns résistent, d'autres capitulent. En ce moment, Les Autres, c'est une chanson sur l'empathie. Chacun est replié sur lui-même et pourtant, tout se passe en ce moment, ailleurs. Hey, c'est ta vie. Et tu sais que t'en as qu'une. Tu cries dans un local qui résonne. Le rock ici s'est perdu d'avance. Quand j'ai écrit Local Rock en 83, je débordais d'envie, d'énergie, j'avais envie de faire des tas de trucs et pourtant j'avais l'impression que tout m'était impossible. Je dois convenir qu'aujourd'hui, dans certains domaines, c'est un peu la même chose. Pure nouvelle, il y en a quatre et pure ancienne, il y en a neuf. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui... Rimbaud et Jacques Brel sont les deux personnages que j'aurais vraiment voulu rencontrer. Bob Dylan aussi, mais c'est encore possible. En général, on dit d'un album aujourd'hui que c'est une playlist. Mais en ce qui concerne quelques essentiels, c'est plutôt une setlist. Ça a été enregistré surtout en compagnie et en collaboration avec Karim Atouman, avec qui je bosse depuis 16 ans. Karim, en un mot, c'est « the professor ». Il a un sens du son, c'est un virtuose. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, c'est sûr que je ne ferais pas les choses de la même manière. Disons, un ongle met plus longtemps à pousser qu'à ronger. Mon expérience, c'est mes racines et c'est ça qui fait que je peux faire des feuilles. Celle-là, c'est la route qui finit l'album.